faire de lunettes oubliées hier par un serpent à lunettes, mon ami de chair. Serpent à lunettes, serpent à sonnette, pour quoi m'as-tu laissé tes lunettes? Une jolie fille à côté de moi au théâtre. C'est pas toi qu'elle regardera, hein, c'est Faust. Hein. Ben, je veux dire à l'entracte. Encore de la banane à croûte? Oh, ben, chez nous, il n'y a jamais rien d'autre. Hein. Sortir une chose, tu dois lui écrire un petit mot.
continue de manger, je prends le petit mot. Pas besoin de lui écrire ça, il le verra bien lui-même. Ce qu'il faut que tu m'écrives, c'est que nous sommes partis. Mais ça, qu'est-ce que je peux dire? J'écris que nous ne sommes pas là parce que nous sommes absents. Alors écris, mais nique-le. Non. J'écris. Cher. Allons bon. Comment il s'appelle déjà? Là, il faut son père, tu devrais pourtant le savoir. Comment il s'appelle le gamin? Pour sa mère, c'était plutôt à toi de le savoir, hein. Attends, je vais te demander à la voisine. Oh, bah non, il n'y a pas de problème. Jésus, Marie-Joseph. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Oh, c'est la chaussette qu'elle s'appelle. Oh, cher Joseph. Tu peux pas écrire ça. Il est à moi aussi. Notre cher Joseph, comme tu nous fiches la paix. Notre cher Joseph. Très honoré, monsieur, notre cher Joseph. Oh. Tontinez et sur le fourneau, fais le poids réchauffer, sinon ça se refroidit. Remettez ça en décembre, hein? Oh, oh, c'est du dîner dont je parle. Et parce qu'il faut que nous allions au théâtre. Si on n'a pas envie, il ne faut pas. Alors, nous avons l'occasion. Non, pouvons. Voulons. Que nous allons. Mais nous sommes partis quand il dira le petit mot. Alors écris sans aller. Au cas où le théâtre se terminerait, nous reviendrons peut-être, sûrement, à la maison. Voilà, reçois les salutations. Les plus respectueuses. De tes parents qui s'en sont allés ainsi que de ta mère. Mais la mère, elle est déjà comprise dans les parents. Et puis je mets un point, sinon cet imbécile va continuer à aller. Maintenant, ajoute. Quand tu préfères ton dîner froid, tu n'as pas besoin de le faire réchauffer. Il va marcher dessus avec ses bottes sales, il ne pourra plus le lire. Quand il rentre, il vient se mettre là, il regarde dans le miroir. Qu'est-ce que c'est que ce petit mot? Et comme ça, il le voit. Ben voilà, mais nous, on va y regarder parce qu'on ne sait pas là, il y a le petit mot, mais lui, s'il ne va pas y regarder. Ben, c'est une condition nécessaire qu'il regarde. Hein. S'il ne va pas y regarder, tu auras mis le petit mot pour rien. Alors attends. Voilà, tu écris un autre petit mot. Quand tu rentres, regarde tout de suite dans le miroir. Seulement demain, parce que sinon il va être trop tard.
Et c'est beaucoup trop, une seule qui suffit. Alors, voilà la cravate. Et moi, tu me payes la cravate, où est-ce que tu me payes la cravate? Oh, toujours pareil, si on n'est pas la cravate. Ah, ah, il est là. Ouais, moi, c'est ma fille, elle finit au mal de près, hein. Je mets ma robe noire. Oui. Ou bien ma robe marron. Oui. Je ne peux tout de même pas mettre deux robes, hein. Ben, comme ça, tu n'auras pas froid. C'est la peine de te demander quelque chose, hein. Eh ben, je vais mettre la marron, ensuite, je pourrais tout mettre la noire, hein. Et... accroche-toi à ma robe, je n'y arrive pas toute seule. Oh là là, revoilà une seule sorte petite sacra. Mais ma peur, j'ai fait mettre une fermeture éclair. Avant, c'était horrible. Quand j'avais accroché une agrafe, l'autre c'était déjà défaite et pour aller se bouger, on se délariait. Quand j'en avais décroché une autre, c'était déjà accroché. Parle-moi, il tâche d'être prête. Oh, est-ce que tu peux être nerveux tout de même? Je ne sais pas, moi les autres aussi m'ont au théâtre. Mais je trouve que ce chapeau ne va pas bien, Marron. Mais ça va, non, se dépêche. Il me donne un air terriblement effronté. Je vais mettre mon foulard de théâtre, hein. Je crois qu'il me va mieux. Hein. C'est ça, mais va vite, on va être en retard. Bon, je peux mettre encore un petit peu de temps. Moi, à ta place, je ferai les escaliers, je lèverai les carreaux. Quelle plaie, cette femme! Oh là là, c'est peut-être trop lion. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si on ne fait pas d'autre de billets, hein? Cette sale bête! La prochaine fois, la cannelle, là, mon gars! On ne te dérangeait les autres avec ça! Je viens trop frémir d'horreur. Rien qu'à l'idée d'aller au théâtre. Halte!
suite, c'est écrit dessus, hein. T'es vu à 8 heures. C'est écrit noir sur blanc. Qui avait raison? Moi, la femme a toujours raison. T'es vu à 8 heures. T'es vu à 8 heures? Vendredi 17 juillet? Comment ça, vendredi? Mais aujourd'hui, nous sommes seulement jeudi!